Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Donc aujourd'hui, les enfants, on va parler d'un vilain défaut. On va parler d'une mauvaise caractéristique. On va parler de la jalousie. On est à la page 64. Un 6, un 6 et un 4. Juste après les dessins de l'éléphant. Tu prends les dessins de l'éléphant juste après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, la tahasadu. Répétez, la tahasadu. Ça veut dire ne vous enviez pas, ne vous jalousez pas. Dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous recommande d'être des frères en islam et d'être des sœurs en islam, il nous interdit de nous jalouser. Parce que la jalousie, c'est un vilain défaut. La jalousie est interdite dans notre religion. Pourquoi ? Parce que la jalousie, elle blesse les autres et elle fait du mal. La jalousie, lorsque tu es jaloux, eh ben elle va faire du mal à celui dont tu es jaloux et elle va te faire du mal aussi à toi, comme on le verra. Puisqu'on verra qu'à chaque fois que la personne elle est jalouse, ben vous savez qu'est-ce qu'elle perd ? Elle perd ses hasanat. À chaque fois que tu es jaloux de quelqu'un, eh ben c'est les hasanat qui disparaissent. Et la jalousie, c'est le fait que lorsque tu vois ton frère ou ton copain ou ta sœur ou ta copine, elle a quelque chose de bien, eh ben toi, tu n'es pas content dans ton cœur et tu veux qu'elle n'a plus cette chose et que c'est toi qui l'as. Un exemple, tes parents ils rentrent à ta maison et il donne un jouet, un cadeau ou un habit à ton petit frère ou à ta petite sœur ou à ta grande sœur ou à ton grand frère. Et toi, tu bouges. Non, et pourquoi c'est toujours elle et c'est pas moi ? T'es pas content ? Et en fait, dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux ? Tu regardes comme ça avec tes yeux et tu voudrais bien que ce cadeau, il se casse. Ou tu voudrais bien que elle l'a plus et c'est toi qui l'as. Est-ce qu'on a le droit d'être comme cela ? Non. Ça s'appelle la jalousie. Est-ce que le musulman, il doit être jaloux ? Non. Non. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la tahasadu. Et est-ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il aime ceux qui sont jaloux ? Non, Allah tabaraka wa ta'ala, il n'aime pas ceux qui sont jaloux. Et en plus, celui qui est jaloux, ben c'est quelqu'un qui ne connaît pas Allah. Parce que si quelqu'un il connaît vraiment Allah, qu'est-ce qu'il va savoir ? Il va savoir qu'Allah il donne ce qu'il veut à qui il veut. Aujourd'hui, c'est lui qui a eu un bienfait, demain ce sera toi. Aujourd'hui, c'est lui qui a des beaux habits, demain ce sera toi. Aujourd'hui, c'est lui qui a une grande maison, qui a une belle chambre, ou qui a ceci ou qui a cela.
Demain, ce sera toi. Allah, tabaraka wa ta'ala, il donne ce qu'il le veut, comme il le veut, à qui il le veut, et quand il le veut. Quand il le veut. Et celui qui est jaloux, ben en fait, il n'accepte pas. Il n'accepte pas la volonté d'Allah. Il n'accepte pas ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, veut. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on accepte tout ce qu'Allah, azza wa jalla, il a décidé. On accepte tout ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a décidé. Et on doit toujours souhaiter le bien aux autres. C'est pour cela que tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Si tu aimes avoir des beaux habits, ben tu dois être content quand quelqu'un a des beaux habits. Si tu aimes bien travailler à l'école, ben tu dois être content quand quelqu'un travaille bien à l'école. Si tu aimes avoir des beaux jouets, ben tu dois être content quand quelqu'un il a des beaux jouets. Et si tu fais cela, Allah tabaraka wa ta'ala t'aimera. Et comment on dit la jalousie en arabe? On dit al-hasad. Répétez al-hasad. Qui connaît une sourate où on entend wa min sharri hasidin idha hasad? Oui, Jawad? Oui, Ismaïl? Wa min sharri hasidin idha hasad. C'est dans quelle sourate? Tu t'en souviens plus? Suleyman? Ah non, c'est pas dans Ayatul Kursi. Ah non, c'est pas Qul a'udhu bi rabbin nas. Viens Ayoub, je vais pas t'entendre. Rapproche-toi. Al-Ikhlas? Non, Al-Ikhlas c'est Qul huwallahu ahad. C'est entre l'ikhlas et l'nas. Oui, Salma? Ah ben non. Wa min sharri hasidin idha hasad. Kamil? Alors oui, ça commence par koul. Très bien. Oui, mais je ne t'ai pas interrogé. Oui, Suleyman? Ben non, on l'a dit. Oui, Ishaq? J'entends pas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Très très bien. Surat al-Falaq. C'est très très bien. Tu as gagné un point. D'accord? Tu me le diras tout à l'heure. Je vais aller chercher ma feuille et je vais te mettre un point. Donc, al-hasad, la jalousie, c'est un péché. C'est une désobéissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, il nous a mis en garde contre le fait d'être jaloux. Il dit la tahasadu, ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas, ne vous espionnez pas, ne vous trompez pas mutuellement. Et ensuite il dit mais soyez Ibad Allah, ikhwana. Soyez des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Frères. Et également, comme on l'a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, méfiez-vous, prenez garde, attention à la jalousie. Car la jalousie, elle consume les hasanat comme le feu consume le bois. Qui a déjà vu du bleu, du feu, et on met un bout de bois qui est brûlé? Qui a déjà vu ça? Comment il devient le feu, le bout de bois? Il devient comment le bout de bois, Ibrahim? Il devient tout noir, et dès que tu mets de l'eau, il se consume. Il disparaît le bout de bois. T'as un gros bout de bois. T'as une grande bûche de bois. Tu mets du feu, qu'est-ce qu'elle va devenir la bûche? Et bien la même chose, si t'as plein le hasanat, si t'as plein le hasanat et que tu es jaloux, qu'est-ce qui va se passer? Tes hasanat, elles vont partir.
Elles vont partir, elles vont tomber, elles vont diminuer. D'accord? Et comme on l'a dit, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qu'Allah Azza wa Jal a donné. D'accord, les enfants? Oui. Également, sachez que la jalousie, elle a été l'origine du premier meurtre sur terre. À cause de la jalousie, eh ben, Habil, il a été tué par Kabil. Habil et Kabil, c'était les enfants de Adam. Et Habil, il a fait une sadaqa. Il a offert le plus beau bélier pour Allah Azza wa Jal. Il a sacrifié le plus beau bélier. Mais Kabil, lui, il a ramassé ce qu'il trouvait et il a offert que la plus mauvaise récolte de blé qu'il a trouvée. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il a accepté la sadaqa. Il a donné les hasanat à Habil, mais il n'a pas accepté la sadaqa de Kabil. Parce que puisque lorsque l'on offre quelque chose, un exemple, quand c'est le Eid et que tu achètes le mouton, tu ne dois pas acheter le plus petit mouton. Tu dois acheter le plus beau mouton, le plus gros mouton le plus cher. Et si tu peux, tu peux même acheter un bœuf, une vache. Et si tu peux, tu peux même acheter un chameau pour le sacrifier. Le Eid, ce n'est pas qu'un mouton. Tu peux sacrifier un chameau. C'est encore mieux. Ou un bœuf. Ou un mouton. Un bœuf, c'est une vache. D'accord? Ou un taureau, une vache, etc. Ou un mouton. Et qu'est-ce que Kabil il a fait? Il a été jaloux de son frère. Puisqu'Allah, il a accepté de Habil, mais il n'a pas accepté de lui. Et Kabil, il a menacé son frère. Et il a tué. Il a tué son frère. Il a tué son frère. C'est pour cela, les enfants, on doit faire attention. La jalousie, c'est très dangereux. On doit faire attention à ne jamais être jaloux. Par contre, toi, si tu vois quelqu'un qui a un beau jouet, toi, tu es content pour lui. Mais c'est normal, tu voudrais bien le même que lui. Ça, c'est pas de la jalousie. Parce que toi, tu es content pour lui. Tu voudrais bien que lui garde son jouet et que toi, tu as le même. Si ta maman, elle achète un jouet à ton frère ou à ta sœur, toi, tu as le droit de dire, je voudrais bien le même. Si je travaille bien à l'école, est-ce que tu peux m'acheter la même chose? Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est interdit, c'est que tu as envie que lui ou elle, elle n'a plus son jouet. Elle n'a plus son cadeau, etc. Et également, on peut envier quelqu'un pour deux choses. Notamment, c'est quand quelqu'un il connaît bien le Coran. Quand tu vois quelqu'un qui connaît bien le Coran, il sait bien lire le Coran, il récite le Coran le matin, il récite le Coran le soir. Toi, tu dois vouloir comme lui. Tu dois vouloir, ah, je voudrais bien lire le Coran comme lui. Je voudrais bien apprendre le Coran comme lui. Également, lorsque tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui fait beaucoup de sadaqat, quand il voit un pauvre, il achète des habits pour le pauvre parce qu'il fait froid, il lui achète à manger et à boire parce qu'il a faim, il lui paye un endroit où dormir, il fait beaucoup de bien. Dans ce cas-là, tu peux l'envier pour cela. Mais ça ne veut pas dire que tu veux que lui, il n'a plus cela. Non, toi, tu veux comme lui. Tu veux comme lui. D'accord, les enfants? Donc, la dernière question, est-ce que, à partir de maintenant, vous allez être jaloux et jalouse, ou vous allez accepter ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, décide? Vous allez accepter ce qu'Allah, azza wa jal, décide. Et
réciter, lorsque tu as peur que quelqu'un est jaloux de toi, tu récites Sourate Al-Falaq, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa min sharri hasidin idha hasad » et je demande à Allah de nous protéger, je demande au Seigneur de l'aube de nous protéger contre l'envieux lorsqu'il envie. D'accord, celui qui est jaloux. D'accord les enfants ?